Et coucou les amis, allez, on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle Love is Love pour avoir un petit message. Bien sûr, sentimental, vous l'avez deviné. Hein? Alors. Allez. Eh bien. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous a pas trop bouleversé avec ce solstice. Écoutez, moi, par un petit peu de fatigue, mais en même temps, je travaille beaucoup, je sors beaucoup, donc voilà. Hein. Hop. Dites-moi un peu en commentaire comment vous avez vécu ces énergies. Bon. Allez, peut-être est-ce la réponse à ma question. Vous êtes dans les questionnements ici. On va vous poser plein d'interrogations sur cette personne, sur des indécisions au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Donc, vous prenez vraiment le message comme il vous vient. Moi, je vais parler de votre autre parce qu'en général, c'est quand même... plus dans ces énergies-là que je le ressens, mais effectivement, si ça peut être vous aussi, d'accord? Donc, on voit ici que vous êtes dans que votre autre, pardon, ou vous, hein, voilà, vous adaptez. Voilà, je ne vous le dis plus, vous adaptez. Vous êtes dans l'indécision. Il y a quelque chose de très pénible sur ce parcours, sur ce chemin, parce que vous n'arrivez pas à savoir si c'est du lard ou du cochon. Vous n'arrivez pas, vous êtes dans l'espérance, dans la patience et vous vous dites que c'est long, que c'est très long, que ce parcours est long et souffrant pour certains d'entre vous, que cette relation est compliquée pour X raisons, attention, une autre. Pour X raisons, attention, d'accord? Ici, votre autre se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment avancer? J'ai l'impression que ce chemin est interminable et que je n'avance pas malgré... tout ce que je fais. On vous dit ici qu'il va falloir qu'il fasse une pause. Il est temps pour lui ou pour elle, hein, pareil, je dis toujours lui, mais si c'est elle, c'est elle, de faire une pause. Il est temps de faire un point par rapport à une situation sentimentale ici. Alors, ça peut être avec son énergie tierce, ça peut être par rapport à vous, d'accord? Il est temps en tout cas de faire le point, de prendre du recul par rapport à certaines choses. On va prendre d'abord celle-là qui est tombée en premier. Il y a beaucoup de solitude chez votre autre. Il est abattu, il est triste, il est dans des énergies de triste. Oh là 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 là. Il est peut-être dans la jalousie parce que il y a l'impression qu'il y a des rivales, il y a l'impression il ou elle a l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont dans votre vie. Alors l'impression ou pas, peut-être que c'est réel. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans votre vie parce que vous, vous avez décidé de passer à autre chose. Et du coup, en fait, le chemin pour lui ou pour elle, c'est très compliqué parce qu'il se dit, il faut que je bouge là. Et là, il est dans la phase où on lui dit, bon, maintenant, si tu veux que ce chemin soit moins sinueux, à un moment, il va falloir faire un choix, mon coco. Hein? Il va falloir arrêter d'être dans l'indécision, il va falloir arrêter d'être dans cette dualité. Si tu as peur de perdre vraiment la personne de ton cœur ou de ta vie, je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça, en tout cas. Mais là, il faut envisager les possibilités possibles, d'accord? Parce que là, on voit qu'il se prend la tête à plus pouvoir. Hein. Il doit en prendre des doliprane, là. Bon. Ah là là. Et là, je vous vois jubiler pour certaines d'entre vous. Non, il y en a trois, il y en a quatre. Je vous vois jubiler pour certaines d'entre vous. Ah ben maintenant, c'est lui ou elle qui souffre. Parce que moi, quand je vois, j'imaginais qu'il était avec sa chaise. Mais attention, restez dans la bienveillance, les amis. Vous savez, le karma, malheureusement, ça va dans tous les sens du terme. Hein. Hop, allez. On voit qu'il a envie de commencer la naissance d'un nouveau projet avec vous, un nouveau commencement. En fait, il se languit, il en a marre d'attendre, il se languit ce nouveau commencement. Mais il ne sait pas comment le mettre en œuvre. Il a peur ici. Il a peur que ce soit déjà trop tard, que
que vous soyez en train de lui échapper. D'accord? Il a l'impression que la situation lui échappe et que ce nouveau projet, cette nouvelle vie avec vous, ça ne se fera pas. On a vraiment sur quelqu'un qui a peur de vous perdre. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la solitude? Ouais, on lui dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. On lui dit ici qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de faire la lumière sur ses sentiments. D'accord? Il est temps de surprendre son autre, pardon, et de dire la vérité. D'accord? On me dit aussi ici qu'il est temps de découvrir la vérité sur certaines choses, peut-être dans sa vie actuelle aussi. Je ne sais pas s'il y a une énergie tierce, s'il y a des énergies négatives autour, peu importe, famille. Il est temps qu'il ouvre les yeux sur quelque chose qui pour moi est terminé, mais qui du coup le freine par rapport à vous, mais du coup que rien ne se fait. Alors. Je peux entendre mon chien qui pleurait. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai sous cette naissance? C'est la tante là. Ouais. Pour l'instant, il est dans les non-dits. Il préfère ne rien dire. Il est dans le secret par rapport à ses sentiments envers vous, par rapport à ce nouveau départ qu'il souhaiterait. Il se ment lui-même, on me dit d'abord, de toute manière. En fait, il ne sait pas comment faire parce qu'il a une organisation à avoir par rapport à ses enfants aussi, par rapport à tout ça. La carte de l'enfant ici me parle de famille recomposée, de garde partagée, de compromis à trouver par rapport à ses enfants. Vous êtes une relation cachée parce qu'il y a des enfants. Il a peur de blesser ses enfants. Il a peur de perdre ses enfants, de perdre l'amour de ses enfants. Le respect peut-être même de ses enfants, on me dit. D'accord? Il y a cette notion qui est difficile pour lui au niveau de sa vie familiale. Il a des enfants. Là, on parle de quelqu'un qui a des enfants. Qui ne sait pas comment trouver un accord possible une fois le secret révélé par rapport à vous. On vous dit qu'en fait, ici, tout simplement, il faut qu'il comprenne que ça a été un coup de foudre. C'est comme ça. Votre relation, elle est authentique en fait. C'est vos rires, c'est les moments partagés, voilà, c'est tout ça. Voilà, il a envie de vivre sa vie, il a envie de vivre des week-ends romantiques, des vacances en amoureux, où il rit, où il s'éclate. Il a envie d'être authentique, il n'a plus envie d'être dans la solitude, il n'a plus envie de devoir mentir, il n'a plus envie de tout ça. Et en fait, c'est ça, il n'a plus envie d'être solitaire, il a envie de vivre la vie à pleines dents, il a envie aussi... Au niveau érotique, hein, on voit au niveau du charnel qu'il a envie, il a plein de désirs cachés, il a plein d'envie par rapport à vous et qu'il ne se passe peut-être plus rien dans sa vie sexuelle. Pardon, tellement j'aime tout ça. Mais non, et je toussais avant, ne vous inquiétez pas. Là, pour le coup, c'est pas par rapport à ce que je ressens, ça m'arrive, mais pas là. On me dit ici qu'en fait, effectivement, il est dans un fantasme de sa vie avec vous, mais que pour arriver là, ben, il va falloir mettre une rupture. Moi, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est en couple. Hein. On parle de personnes qui sont en couple. Il y a une séparation à acter. D'accord? Il y a ici à redevenir disponible et libre. D'accord? Si vous voulez, si il veut venir enlever ses masques et vous dire les choses, d'accord? Il va falloir qu'il se sépare. D'accord? Ici, on me dit qu'après, il y aura une possibilité de prendre un verre ensemble, de partager. Il y aura une invitation qui sera faite, d'accord, pour vous avouer ses sentiments et même vous faire une vraie déclaration, puisqu'ici, on me parle d'un engagement à long terme, d'union, d'alliance, de mariage. Mais pour ça, il doit partir. Voilà, il doit partir. On me dit que c'est une épreuve pour lui de quitter... ce cocon familial dans lequel il est, c'est une vraie épreuve. Mais en même temps, on lui dit qu'il ne doit pas prendre la mauvaise décision car c'est son destin, d'accord? Il y a vraiment ce destin, c'est... il y a l'énergie du triangle, là. La triangulaire. Mais du coup, la triangulaire avec la jalousie. Donc, c'est vous qui êtes très jalouse, ou alors c'est lui qui a peur de vous perdre, comme on l'a vu au tout début, et peut-être même les deux, d'ailleurs.
On voit que de toute manière, là, il y a besoin de renouveau dans sa vie parce qu'il ne se regarde même plus dans ce couple, hein, dans cette triangulaire dans lequel il est, où il n'est pas disponible. On vous dit qu'il est marié, hein, c'est ça. On vous dit qu'il s'ennuie, d'accord? Et lui, il a besoin de sensualité, il a besoin d'être regardé, il a besoin d'être aimé, il a besoin de, bah, de déménager, tout simplement, de quitter cette relation toxique, cette cage dans laquelle il vit, qui est en train de le rendre complètement malade. Les mots viennent de là, ces mots viennent de cet environnement. Alors quand on dit toxique, attention, ne soyons pas méchants par rapport aux énergies tierces, d'accord? Par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus prudent dans sa vie. Parce que les énergies tierces sont en souffrance aussi. Ces personnes, elles ne savent même pas l'existence, nos existences des fois ou quoi. Et en fait, c'est compliqué aussi pour ces personnes de tirer un trait sur des mariages, etc. D'accord? Donc, mais on voit ici que votre autre va, s'il n'a pas encore déclenché des maux ou des blessures, il va les déclencher parce que, en fait, cette relation cachée, même si qu'il se soit passé quelque chose ou pas, en tout cas, c'est considéré pour lui comme un adultère et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il va falloir qu'il tourne la page, qu'il accepte de tourner la page et de lâcher prise sur son passé pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, d'accord, avec cette carte ici. On vous dit ici qu'il y aura la victoire entre vous, d'accord, ça va triompher, il y aura une vraie réussite, un vrai succès, parce que vous êtes attirés tous les deux, c'est un besoin vital, c'est comme deux aimants, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui est entre vous, c'est écrit, c'est-à-dire c'est destiné, c'est comme ça, d'accord. On vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis plus de 3 ans pour certains d'entre vous. D'accord? On vous dit que vous allez avancer ensemble après et ne faire qu'un. Avancer main dans la main. D'accord? On vous dit ici que vous vous suivez beaucoup sur les réseaux pour l'instant. Peut-être même qu'il vous surveille, qu'il essaye de se renseigner, qu'il enquête, qu'il vous observe. Il est tout le temps dans cette énergie-là par rapport peut-être, voilà, aux trahisons. Il a vraiment peur que vous le trompiez. Alors que vous le trompiez, c'est un bien grand mot puisque vous n'êtes pas ensemble, clairement, ici. Mais en fait, ici, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, il a peur d'être rejeté, d'être quitté. C'est terrible, hein? C'est terrible d'être dans cette énergie-là parce qu'en fait, quelque part, il vit cette blessure qu'il peut faire ressentir à son énergie tierce aussi. Donc, quelque chose à régler avec ça, avec l'adultère, avec la tromperie, la trahison. Peut-être qu'il se prend un karma par rapport à de la trahison qui a été faite dans le passé ou dans une autre vie aussi. Mais on me dit qu'en fait, quand il viendra vers vous, il sera honnête. Ça sera un lien solide. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Il y aura une attirance physique de fou entre vous. Un désir charnel et des relations sexuelles très fortes, d'accord? On vous dit ici qu'il est guidé vers vous. Il est guidé par rapport à son instinct, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses guides. Et on me dit ici qu'il va prendre la porte qui va s'ouvrir devant lui, l'ouverture, l'opportunité, il va la saisir parce que lui, ce qu'il veut, c'est vivre l'amour sincère, être dans l'amour inconditionnel. Il a envie vraiment de prendre du temps par rapport à ça. On me dit qu'il est déterminé, d'accord? Il est déterminé malgré qu'il résiste dans son énergie ici, pardon, de triangulaire. Il est déterminé parce qu'il sait que ce lien, c'est un don du ciel. On lui a offert ce lien sur un plateau d'argent, d'accord? Et donc, en fait, ici, avec vous, il sait qu'il pourra se faire entendre, communiquer, il pourra raconter, il nous parlera sans tabou et que vous vous écouterez mutuellement. On vous dit que ça parlera de cœur à cœur, il y aura beaucoup d'amour réciproque des deux côtés, d'accord? On vous dit qu'il y aura beaucoup. Il y a des baisers qui seront échangés, bien évidemment, puisque vous irez bien plus loin que là, hein, on est d'accord. On vous dit que tout se joue ici et maintenant. Actuellement, c'est en train de se jouer au moment où vous regarderez cette vidéo, d'accord. Il va oser faire le premier pas. Il faut qu'il se lance. C'est à lui de se lancer. Attention, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que là, cette personne, c'est elle qui est en énergie tierce. C'est elle qui doit quitter ce qu'elle a quitté. Donc, ce n'est pas encore à vous d'aller lui déclarer votre amour. Il le sait que vous l'aimez. Il le sait. D'accord? Il en est conscient. Par contre, il est peut-être aussi conscient que vous êtes en train de vous détacher parce que vous êtes fatigué d'attendre. On l'a vu tout à l'heure, il y en a pour qui ça dure depuis plus de 3 ans.
D'accord? Par contre, pour l'instant, effectivement, il est encore sous l'emprise de ses propres démons. Hein? Il est dans une instabilité émotionnelle. Il attend quelque chose, comme un truc inespéré qui arrive, une opportunité, un coup de chance. Mais en fait, on me dit ici que c'est lui qui va devoir créer sa chance. Il va peut-être passer par les réseaux sociaux pour vous parler, pour vous faire une déclaration, pour vous faire comprendre quelque chose. Soyez attentif aux musiques, soyez attentif aux messages. S'il partage des choses sur ses réseaux, soyez attentif aux heures miroirs. Soyez attentif quand il vous envoie un message aux heures miroirs. Peut-être qu'il va faire esprit de passer par là pour voir si vous comprenez le message. Bon, j'en sais rien, mais voilà. Il y a une question, il y a beaucoup de distance entre vous. Ici, on parle de personnes qui sont à distance, hein. On me dit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il y a du changement qui arrive ici. Il y a une dispute, un conflit qui va se passer avec certainement l'énergie tierce, d'accord? Des désaccords, etc. On me dit du coup que suite à tout ça, c'est peut-être là qu'il va oser communiquer avec vous par SMS ou par téléphone, d'accord? Cette personne risque de vous proposer de passer un bon moment ensemble. Alors ici, on me dit, ça risque d'être une énergie masculine, donc si votre autre est un homme, voilà. Mais on me dit surtout ici qu'il y a une énergie yang, il passe à l'action, parce que ça sera le bon moment, d'accord? Il y a le bon moment qui arrive ici pour lui. Ici, lui ou elle, hein, vous adaptez bien évidemment. Ici, on me dit qu'il y a un désir puissant. Il est presque dans la passion, dépendant de vous. Il en est presque là. C'est peut-être vous qui étiez dépendant ou dépendante de lui. Avant, on me dit que les choses se sont inversées. Attention, c'est quelqu'un qui a un niveau de vie agréable et pour qui ce niveau de vie financier peut influencer un petit peu sa destinée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas si avec vous, il sera aussi bien au niveau financier. D'accord? Il y a cette sécurité financière qui va être compliquée. Il y a aussi une personne vénale qui peut tourner autour de lui, donc s'il y a séparation avec l'énergie tierce, qui va essayer de lui ponctionner un max. D'accord? Bon. Ici, on me parle, je suis désolée, mais il faut que je reprenne un peu mon souffle de temps en temps. Ici, on me parle, d'abord, je n'avais pas prévu de sortir tout le paquet, mais on va le faire. Et puisqu'on en est là. Mais on me parle de beaucoup de romantisme. C'est quelqu'un qui va être très bienveillant. C'est quelqu'un qui est très doux. C'est quelqu'un, on me dit, que vous n'avez encore jamais rencontré jusqu'à présent. D'accord? Pour certaines ou certaines d'entre vous. C'est-à-dire que c'est une relation avec tellement de bienveillance qui vous attend, tellement d'épanouissement, tellement d'affection, que vous allez vivre quelque chose de vraiment très très fort. On me dit que vous allez être dans l'entraide. Vous avec votre autre avec vous. Mais pas que. On me dit qu'il y a certainement une mission d'âme sur l'entraide aux autres qui vous est mise en commun. D'accord? On vous dit que pour l'instant, voilà, on a quelqu'un qui est quand même assez soumis. Pardon. Par rapport à quelqu'un qui a une grosse emprise sur lui. Peut-être par rapport au financier. Peut-être, voilà, c'est certainement son énergie tierce. Hein. Voilà. Mais ouais, par rapport à la sécurité, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, votre autre. Et là, en fait, vous lui faites perdre pied parce qu'il n'est plus du tout dans cette situation stable, dans sa zone de confort. Et du coup, c'est compliqué pour lui de comprendre que ben, il va devoir sortir, quitter cette zone de confort qu'il a mis tant de temps à construire. D'accord? Donc, ce qui va être difficile pour lui, c'est de trouver l'harmonie et la stabilité et d'accepter cette fluidité. Parce qu'avec vous, ça va être fluide, en fait. Il n'y aura pas de... Alors, bien sûr, ça reste un couple, les amis. On ne va pas parler du pays des bisounours. Il n'y aura jamais des accrochages. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui se fera très fluidement. D'accord? Ici, on me dit que là, en ce moment, il tourne complètement en rond. Il a complètement l'impression d'être perdu. D'accord? Parce que les souvenirs avec et les blocages avec son passé sont trop présents. Il est toujours dans son passé, dans son passé, dans son passé. Il n'arrive pas. Et ça met du retard. Ça met du retard entre vous. Il est même d'un fois dans les phases de renoncement où il se dit, mais c'est pas possible. Bon, j'arrête tout, j'arrête de penser à la personne que j'aime et je reste dans ma zone de confort. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait c'est envahissant pour lui. Il connaît pas cette énergie d'amour si fort, il ne le connaît pas. Et oui, ben c'est ça, cette connexion à son âme sœur
il ne la connaît pas, c'est envahissant, c'est trop pesant, c'est trop angoissant. Et pourtant, ici, on lui dit qu'il n'y aura pas le choix puisque c'est son destin, d'accord? Cette énergie féminine est son destin. Cette énergie yin est son destin. Si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, vous adaptez, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a besoin de cette douceur. C'est cette personne qui sera faite pour lui. Pour l'instant, vous êtes peut-être injoignable ou vous refusez de communiquer. Peut-être qu'il ne sait pas comment revenir vers vous si vous êtes en silence radio. Et en fait, ça lui fait péter les plombs. En fait, cette tension entre vous, c'est l'anxiété, c'est l'énervement. Voilà, il a envie de commencer cette nouvelle rencontre avec vous. Il a envie de se rapprocher. On lui dit qu'il a envie de se réconcilier. On vous dit, pardon, qu'il a envie de se réconcilier. Et pourquoi? Parce que vous êtes connecté, parce qu'avec vous, c'est simple, c'est accessible, c'est souriant, c'est la fête. Tout est le bonheur absolu. Voilà, les amis, écoutez, une très, très belle guidance. Alors, très, très belle, qui montre que votre autre est dans une extrême souffrance. Mais effectivement, il a certainement des choses à traverser pour pouvoir comprendre comment avancer sur ce lien, d'accord? Tout simplement. Mais il est temps pour lui d'avoir des compréhensions. Donc, ben, il ne reste plus que à ce cher et tendre de comprendre qu'il est temps pour lui et de venir toquer à la porte ou d'appeler au moins pour déjà s'exprimer au niveau de ses sentiments ou de faire passer un message. Je ne sais pas s'il n'ose pas, mais en tout cas, voilà, il est temps de passer à l'action pour cette personne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr que si vous avez aimé cette guidance, comment vous pouvez aider la chaîne? En mettant un pouce, en commentant, en vous abonnant, en partageant si vous avez envie. Vous pouvez faire qu'un seul truc de tout ça. Mais au moins, ça me permet de remonter dans l'algorithme et de faire voir la vidéo à plus de personnes, ce qui aidera encore plus de personnes. Voilà, si vous, ça vous fait du bien d'avoir ce message, pensez toujours aux autres qui en ont besoin aussi. Ne soyez pas égoïste. Donc, ben, de mettre un pouce, ça aide. De commenter, ça aide. De vous abonner, ça aide. Et vous, ça ne vous coûte rien financièrement. Merci à tous ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Grâce à vous, on peut améliorer, acheter de nouveaux oracles, etc. Et puis, à très très vite. Hein? Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de me dire comment ça évolue si ce tirage vous parle en commentaire. Ciao, ciao.